Bonjour, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Je suis très heureux de vous présenter mon nouveau tour de magie. Il s'agit d'un tour de cartes. Pour les nouveaux abonnés, je vous invite vivement à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Cliquez ici, à liker, à commenter. Vous retrouverez aussi dans mes multiples playlists plein de tours de magie depuis de nombreuses années. Maintenant, nous passons à la magie. À tous. Ciao à vous. Et bien aujourd'hui avec Brigitte, on va vous présenter un classique de la magie, un tour de cartes. Ça manquait? Carrément. On y va? On y va. Et c'est parti, un jeu de bicycle. Et d'ailleurs, celle-là, je sais pas si tu les connais. Tu les as jamais vues, celle-là? Avec des petites étoiles sur... Je sais plus, on a tellement. Voilà, voilà. Brigitte. Oui. Un jeu de 52 cartes. Oui, j'atteste. Tout va bien? Tout va bien. Je vais te faire une petite démonstration que l'on fait souvent quand on est magicien à des spectacles. Mm-hmm. Alors, dans un premier temps, le magicien, il mélange les cartes. D'accord. Alors, il mélange des fois comme ça. Des fois, il fait des mélanges un peu de style-là à l'américaine, mais d'une main. Ça, c'est compliqué à faire. C'est compliqué, tout à fait. Mais le plus souvent, oui, il utilise en fait ce mélange-là. Le mélange celui que tout le monde fait, quoi, pratiquement. Ouais. Alors, regarde, je vais faire 4 tas. Mm-hmm. D'accord. Plus ou moins égaux, c'est pas grave, aucune importance. Et voilà. Super. 4 tas. Par exemple, je prends celui-là. Oui. Tu peux constater qu'il n'a pas les mêmes cartes que les autres paquets. Non, bah non. D'accord. Mm-hmm. Alors, on va se reporter au hasard. D'accord. Oui. On va imaginer que la première carte que j'ai choisie, c'est l'as de cœur. Alors ça, franchement... Oui, enfin bon, ça, c'est le hasard. Oui. D'accord. Oui, mais c'est regarde, bien, un as. C'est pas mal. Alors, regarde. Oui. Simplement en passant sur les autres paquets. Tu vas pas me croire. Mais regarde. Oh, un alors deuxième ça, as, l'as de carreau. Le deuxième paquet, l'as de trèfle. Le troisième paquet, l'as de pique. Non, mais c'est incroyable. Ça te plaît? Mais carrément, mais... Je vais perdre les as, regarde. Tout simplement... En mélangeant un peu le jeu. Regarde. Mm-hmm. Je perds les as. Le troisième. Voilà. Et enfin, le quatrième. Jusqu'à là, tout va bien? Ah oui. Et je prouve que il n'y a pas d'as dessous. D'accord? Non, non. Tu peux la tester? Oui. Voilà. Oui. Et pas d'as. Voilà, sur le dessous. Sur le dessus. Je suis d'accord. Jusqu'à là, tout est clair? Oui. Et pourtant, quelque part dans le jeu, les 4 as que j'ai perdus sont localisés, d'accord, d'accord. Simplement en claquant dans les doigts. Oui. Tu vas pas me croire. Mais si maintenant j'étale le jeu, oui, regarde. Les 4 as sont de nouveau ensemble. Ah, mais carrément. Mais cette fois-ci, les amis, face en l'air. Mais c'est incroyable, franchement. C'est... Pique, cœur. Magnifique. Très fécal. Ça t'a plu? Surprenant, magnifique. Et voilà. Eh bien, les amis, j'espère que ça vous a plu. Brigitte. Oh, mais moi, carrément. C'est vrai. La prochaine fois, je vais vous sortir un tour de magie. Mais alors, mes amis, ça va décrocher. Là, actuellement, je suis en train d'y travailler. Brigitte sera de la partie aussi. Ah oui. Voilà, voilà, voilà. Pour les nouveaux, eh bien, vous avez un petit bouton en bas à droite. Cliquez ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes nouvelles sorties. J'ai aussi 3, 4, 5 playlists où il y a différents thèmes de la magie des cartes, les pièces, et j'en passe. Voilà, bah, écoutez les amis, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. En attendant, bah, reposez-vous bien, travaillez bien. Allez, ciao, bye bye! Ciao!